Bonjour à tous, c'est Jen Tetsuya et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Harvest Moon. Dans le dernier épisode, on n'avait plus qu'à peu près du lait à avoir. Plus quelques fraises à ramasser en fait. Enfin, les cultures à ramasser et on avait déjà fini les quêtes niveau culture. Là, il nous manque juste deux paires de lait. Donc minimum 2 jours, plus le temps. Alors là, les criquets, ils font super du bruit. Et tout le monde, le concours de pêche commence. C'est un peu chiant quand ils mettent le criquet. Je suis obligée de diminuer le son, sinon ça vous fait mal aux oreilles. Excuse-moi, Jen. Je viens de parler du concours de pêche. Je suis en train de préparer un événement pour que tout le monde pêche. Le gagnant du concours de pêche recevra un super prix. Si c'est 2 bouteilles de lait, je participe. Qui ça? Moi? Non, c'est moi le chef, alors je peux pas participer. Je vais plutôt vendre des trucs à tous ceux qui viennent jouer. Non, rien, laisse tomber. Le concours de pêche, c'est le 10 de chaque mois. Tu devrais venir. A plus. Donc là, on est le 3. Alors, on va voir les cultures. Et là, je vais diminuer le son un petit peu parce qu'en fait, les criquets, ils... même là, vous les entendez. Alors. Alors, céleri, on en a 9, mais il nous en faut 10. Le piment, il nous en faut 10. La patate, je les garde. Marguerite, c'est pour les quêtes. Les fraises, c'est pour les quêtes. Maïs, j'en garde tout le temps, minimum 5 au cas où. La carotte, 9. Est-ce qu'on doit vendre des carottes? Est-ce qu'on peut lui acheter du lait à lui? Oh, je sais! Je vais voir à 10h Bastien. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Celui qui a un petit peu l'auberge. Il doit faire à manger normalement. Donc là, c'est le céleri qui nous reste à... Ah, chouette, on peut récolter les fraises ici. Qu'est-ce qu'on va replanter? Bah, du céleri. Ça a rien fait. Non, encore du céleri. Qu'est-ce que c'est chiant de mettre de l'eau partout? Je crois qu'on avait une quête de Denis et de Gabriel qu'on peut rendre. Ils voulaient tous les deux des fraises. Bon, on va d'abord voir si Gabriel il est dispo. Je crois qu'il est là. Non, on va pas rentrer dans les arbres. C'est dit que je me prends tous les arbres. Alors Gabriel, les animaux se lèvent tôt, pas question pour moi de traîner au lit. Alors, tu as ce que je t'ai demandé? Merci, ça m'aide beaucoup. Tiens, prends ça en remerciement. Appris plusieurs recettes de fourrage. Mais je m'en fous des recettes de fourrage. Ce sont des nouvelles recettes de fourrage auxquelles j'ai pensé. Il y en a plusieurs, essaye d'en préparer. Le type de fourrage qu'on donne aux bêtes modifie leurs traits, tu le savais? Ah ouais? Ça peut améliorer la qualité du lait, alors leur alimentation est importante. Tu devrais essayer différents fourrages.
J'aurais d'autres choses à te demander à l'avenir. Bon, au revoir. D'accord, là, pas d'autres quêtes. Donc, on va nettoyer. Après, on va les brosser et on va leur donner à manger. Arrête de te mettre devant moi. Bon, bah, ils ont faim en fait. Mon stabilo, il devrait pas traîner à ce que je leur coupe la laine. Je me cache. Hop. Il y a plein d'animaux qui viennent. Après les lapins, il y a des libellules, il y a des papillons. Ah. Peut-être qu'elle va nous donner un meilleur arrosoir vu qu'on arrose beaucoup. Ce serait trop bien pouvoir arroser une parcelle en entier. Allez, Denis est arrivé. Ah, d'abord, je vais voir si je peux pas lui acheter du lait. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui acheter? Du pain, du sucre, du sel. Il vend pas de lait. Et toi, tu fais quelque chose? Si j'arrive à me mettre droite. Non, elle s'en fout. Très bien, on peut pas acheter de lait. Carole, elle va rester malade un peu longtemps. Heureusement que Jen était là, c'est sûrement grâce à la déesse des récoltes. On va l'appeler Jeanne. Ça fait un petit peu de Jeanne. Salut Jen. Alors où en es-tu de ce que je t'ai demandé? Ah merci, c'est ce qu'il me fallait pour préparer de l'excellent engrais. Toute peine mérite salaire, prends ceci. C'est une nouvelle recette d'engrais que j'ai appelée mélange de fraises. On la prépare en mélangeant des fraises et du compost. Plus belles sont les fraises, meilleur est l'engrais obtenu. Si tu utilises cet engrais sur des fraises, tu pourras obtenir des résultats intéressants. Mais essaye-le sur différentes cultures et observe ce qui se passera. Ah, à un petit jour. D'accord, du coup. Il nous reste plus qu'à aller au dodo là parce que. On n'a plus trop rien à faire là. J'espère qu'elle va m'appeler la déesse et elle va me donner un super arrosoir. Chaque fois que je vais passer un niveau d'arrosoir, ça y est. Attends, elles ont pas des requêtes elles? Je les ai jamais entendues. Parce que je leur parle jamais en fait. C'est peut-être ça. Elle revient. Écoute ça, avec un marteau, on peut extraire du minerai de filon. J'ai pas de marteau. Ah, ta fille, elle est là-bas. Non, ça me téléporte, l'arnaque. Ah bon, elle est dans un endroit plus appréciable. Ah, pourvu que je n'attrape pas des coups de soleil. Bon.
Mais je lui parle pas, je crois qu'il a une quête, mais qu'on peut pas la faire pour l'instant. Ah oui, il veut de la laine, mais on n'a pas de chèvre. Enfin, on n'a pas de mouton. C'est pareil. On va rêver de quoi cette nuit? Ah, ça c'est la musique. Ah ben non. C'est bientôt l'anniversaire de Sophia. Il faut que je note. Zut alors, je voulais le méga arrosoir moi. Oh, il fait nuageux. Il faut que j'aille voir les anniversaires parce qu'il me semble qu'il y avait le vieux papy là. Il avait son anniversaire dans pas longtemps. Villageois. Alors, été 21. Été 7 en fait. Lui, c'est le 7. Été 14. Très bien. On n'oubliera pas de lui souhaiter son anniversaire à lui. Ah, encore les criquets. Mais c'est quoi cet été où il y a toujours des criquets? Il n'y a pas autant de criquets chez moi. Alors, bon, on va remettre du chou. Le chou, c'est le seul ingrédient où je garde pas, en fait. Je vends tout, le chou. Parce que je crois que c'est 2 jours qu'il faut pour le chou, donc c'est pas trop... C'est pas énorme. Si on donne un meilleur fourrage aux animaux, peut-être qu'ils grandiront plus vite. Voilà, tout ça. Alors. Non, c'est pas là-dedans. Non, ça c'est juste les aliments. On peut pas faire de lait en fait. T'es obligé de l'avoir sur ta vache. Nous on a acheté une vache super tard. Bon. Il nous reste un petit peu de céleri à avoir pour passer. Pour Carole. Allez, hop, on arrose. Le jour où j'aurai mon méga arrosoir, je serai super contente. C'est encore des fraises, ça? Après, je verrai ce que ça donne. Hein. Je crois que j'avais des plantations à l'autre bout aussi. C'est ça. Je me demande si on les arrose pas, elles poussent moins vite ou elles fanent juste. Bon, on va aller voir notre vache. Est-ce que tu vas enfin devenir adulte, s'il te plaît? Est-ce qu'elle a grossi? Des nouvelles requêtes? Ah, il y a des nouvelles requêtes. Quelle chaleur! J'espère que mes animaux ne vont pas s'évanouir. Oh, Jen! Qu'est-ce que tu vas faire comme fourrage maintenant? Non, comme engrais. Non, fourrage, toi.
J'ai amélioré les recettes que je t'ai données. Elles sont encore plus efficaces. Mais je n'ai pas les ingrédients. Je suis coincée. Elle dit, je peux avoir des ingrédients de fourrage. Tu en as à me donner? Il me faut du maïs. J'en ai 5. Ça ne te dérange pas, pas vrai? C'est vrai qu'il faut 6 maïs. Non, mais c'est bon, on a tout. On peut lui faire sa quête. Alors moi, j'ai eu une bonne idée pour garder au moins 5 aliments de chaque. Sauf le chou. Les animaux sales ou dont l'habitat est sale tombent malades. Il faut nettoyer. Mais j'ai pas encore regardé pour nettoyer. Alors tu as ce que je t'ai demandé? Merci, ça m'aide beaucoup. Tiens, prends ça en remerciement. C'est la recette dont je t'ai parlé. Pour préparer du fourrage. Ce fourrage diminuera le stress de tes animaux. Toutes les formes de stress. Essaye-le. J'aurai d'autres choses à te demander à l'avenir. Au revoir. Ah, bah oui, regardez, un truc qui est sale, là. On va essayer de l'avoir. Ouais, c'est juste ça qui est sale. Je me prends toujours Gabriel. Alors, voir les notes sur mes animaux. Alors, spirit, loyauté, un cœur. Il n'a pas de stress, hein, propre, plein. Stabilo, pareil. C'est quoi son talent? Aucune compétence. Ils n'ont pas de talent. Je sais pas c'est quoi les talents. Il n'y avait pas assez de fourrage. J'ai mis 4 fois de fourrage là. Non, là, pas là-bas. On remplit l'arrosoir et on va voir si dans le village ils n'ont pas des requêtes. À part le lait pour Carole. Et la quête de Carole qui veut des fleurs, mais on n'a pas de fleurs. On va voir s'ils ont des requêtes. Parce qu'en une journée, ils peuvent changer, ils peuvent avoir des requêtes. D'accord, eux, ils n'ont pas de requête. Je vais voir Denis, comme Gabriel, il m'a donné une requête direct après. Direct le jour d'après, Denis peut en avoir aussi. Heureusement que Jeanne était là. Sûrement grâce à la déesse des récoltes. D'accord, tu dis tout le temps pareil. Hey Jane, tu m'as rendu service l'autre jour. Oui, je suis en train de réfléchir à une nouvelle composition d'engrais. J'espère ne pas abuser en te demandant de m'apporter d'autres ingrédients. Si tu veux du maïs encore. Merci, ça va vraiment m'aider. S'il te plaît, apporte-moi du compost et de la gambusine. Ah, c'est un poisson ça. C'est vraiment super de m'aider, Jane. Alors, gambusine, donc il faut que j'aille pêcher 3 poissons. C'est chiant la pêche, c'est très long. Elle est belle leur maison à eux. Ta paquette. Ta paquette. Au moins on va aller pêcher pour voir ce que ça donne. Partout. Ils sont chiants les criquets. Ah, vous voyez pas là? Ah, là, vous voyez. Allez, approche, poisson. Une perche noire, eh ben non, c'est pas ça qu'on veut.
Bambusy, génial. 1/3. Ah, quand je pêche, le NTR, il ne suit pas. Non, venez les petits poissons. Les petits poissons, c'est les Gambusy. Allez, encore un poisson et je vais au dodo. Bon. Je suis niveau 3, ben cool. On va encore en pêcher un, histoire de si on attrape la troisième Gambusy. Non, ça a pas l'air d'être une Gambusy. Ouais, je passe vite. Là, il y a 3 petits poissons qui peuvent venir. Et c'est un gros qui vient. Une cendre. Bon, allez, là, c'est là, vraiment la dernière. Mais je pense pas qu'on va avoir une Gambusy là-dedans. Il n'y a pas de petits poissons. Mais t'es pas 3 heures. Hein. Allez, un petit poisson. Toi, le plus petit. Tu seras sûrement une Gambusy. Non, trop long à voir. Un carafin. Bon, c'est pas grave. On va rentrer dormir. On va peut-être se passer un autre truc. Demain, ce serait bien qu'il pleuve. Parce que quand c'est un petit peu nuageux, le lendemain, il pleut. Est-ce qu'on peut agrandir les maisons dans Harvest Moon? J'en ai aucune idée. Peut-être que je devrais me faire Harvest Moon, la vallée perdue, en entier. Peut-être. Ce serait peut-être une bonne idée. Ah, c'est la déesse des récoltes. J'aimerais te parler de quelque chose. Viens à ma source, s'il te plaît. Je pense pas que ce soit pour l'arrosoir. Mais je croise des doigts. Ah, il pleut là, il y a un parapluie. Ouais, génial, il pleut, pas besoin de mouiller toutes mes récoltes, d'arroser toutes mes récoltes. Donc il me manque plus que le lait pour elle, pour Carole. Voilà. Ah, c'est trop tôt. Bah, je vais m'occuper des animaux. Je sais pas à quelle heure elle arrive, la déesse des récoltes. Bon, c'est un petit peu sombre. Je remarque que c'est un petit peu moins sombre sur l'écran de l'ordinateur. Ah, on peut pas les récolter encore. Ah, j'ai des carottes ou des oignons que j'ai mis là. Allez, mets du potiron. C'est pas récolté. Je veux nettoyer ce qu'il y a là. Ouf, te spiri. Non, mais il marche dans le truc. Hein. Faut bien les nourrir. Hein, Sinon, ils sont chiants. Il a l'air de bien grossir, ma petite vache. Il me faudrait ensuite un mouton. Ah tiens, il y a Cyril. Je n'ai jamais demandé de requête à lui. Dans les grands lacs, on se trouve par les mêmes poissons au bord et au centre. On ne trouve pas. Ah d'accord, c'est sûr.
Ah mais lui, il est fan des poissons, en fait. Bon, ben, en attendant que la déesse des récoltes arrive, on va essayer de pêcher la dernière gambusie. J'essaie de voir quand il y a un plus petit poisson, mais bon. Quand il pleut, peut-être que les poissons, ils n'aiment pas trop venir. Je te passe à côté, que je t'ignore. C'est pas un poisson que je veux, ça, c'est une perche noire. On va se mettre ici, peut-être qu'on aura plus de chance. Bon, honnêtement, il n'y a pas de petits poissons là, je pense pas qu'il y ait des gambusies. Ah si, là, il y a un petit poisson. Il va s'en aller, ça. Ça, c'est un petit poisson, mais trop gros, à mon avis. Voilà, un carassin. On va encore bouger. Hop. Parce que moi, je veux des petits poissons. Oh non, je l'ai eu en retard. Je suis sûre que c'était une gambusie. Eh mince. Non mais je veux pas pêcher là, c'est trop... C'est un espèce de cul-de-sac là, ils vont pas venir les poissons. Là il y a un tout petit poisson là. Ah il arrive vers le machin. Non. Je voulais trop l'avoir que... Vas-y, il titille le truc. Hein. Ah c'est bien. Bon trop... Il attaque trop le machin, lui. À mon avis, c'est pas une gambusie. Non, c'est encore un carassin. Est-ce qu'il est grand, celui-là? Ah, là, il y a plein de petits poissons. Non, mais c'est le grand qui vient. Il y a 4 petits poissons autour. 4 chances d'avoir des gambusies. Et c'est le gros poisson qui vient. Non, mais là, il y a que des gros poissons, même. Je veux bien, il vient tout de suite, mais les gros poissons, ça va être intéressant. Hein. En plus, je fais plein de nouveaux records. On n'aura jamais pêché autant, quoi. Oui, toi, le petit poisson, viens. Viens, petit poisson. Non, t'en vas pas. C'est pas lui, encore. Non. Quoique, il y a quoi aux alentours? Il n'y a rien du tout. Allez, toi, le petit poisson. Il y a quand même 2 ou 3 petits poissons dans le machin. Hein. Je les vois pas bien. Bon, on va aller voir la déesse des récoltes. Vu que le poisson ne veut pas venir. On peut demander un coup de main à Arthur. Non, Arthur, c'est celui qui fait les plantations. Il y a le petit lutin pour les animaux. Et il y a le lutin bleu pour les poissons. Et je sais pas si j'aurai le poisson que je veux, en fait, là-dedans. Non, mais en fait, le dimanche, la source de la déesse, elle est pas là, quoi. C'est-à-dire qu'on attendait pour rien. Du coup, on retourne au dodo.
La source de la déesse vient me voir. Eh ben non, je t'ai trollé. Ça, on est déjà l'été 5. Cyril a besoin de mon aide. D'accord, ben on va aller le voir. Hein. S'il me demande de pêcher des trucs, ben j'ai pêché plein de trucs dans l'épisode, dans le jour d'avant. Oh non, le retour des criquets. Alors que je vende des trucs et que je rachète des trucs. Je plante plein de trucs n'importe où, moi. Encore frais ça, je me demande ce que c'est. C'est des fraises ou des piments là. J'ai oublié celui qui était derrière. Dommage qu'il pleut pas deux jours de suite. Hein. En été, c'est rare quand il pleut. Je me demande comment ça va être en hiver. Un jour, on aura l'arrosoir super d'enfer. Le méga arrosoir. J'espère que ce sera ce jour-ci. J'ai plus de graines. Faudrait que je vende des trucs. Alors mes petits animaux, comment ça va? Non, pas toi. Faudra que je rachète du fourrage. T'as pas d'autre quête, toi? Ah oui, encore, tiens. Oh, Jen! Je recherche du fourrage spécifique à chaque saison. Beaucoup d'animaux souffrent de la chaleur en été, ou du froid en hiver. Mais il manque un ingrédient, c'est bête. Dis, je peux avoir des ingrédients de fourrage, tu en as à me donner? Qu'est-ce que tu veux? De la polenta? Ça ne te dérange pas, pas vrai? D'accord, tu veux de la polenta, toi, carrément. Ah, regardez, c'est pas un veau, c'est une vache. Maintenant, c'est une vache. Tous des femelles, ça veut dire qu'elles peuvent avoir des bébés. Génial.
Bon, ben, on va aller voir pour acheter de la polenta. On va aller voir la déesse des récoltes et après, je pense que ça va être bon. Donc, dans le prochain épisode, il faudra bien souhaiter son anniversaire au vieux. Peut-être qu'il sera un petit peu plus gentil. Tadam! Ta déesse des récoltes est fière de ce que tu as accompli et a une récompense pour toi. Un méga arrosoir! Je compte sur toi pour continuer à redonner vie et beauté à la région. Alors là, l'arrosoir de maître. Génial! Donc, on va lui acheter de la polenta, on va planter la polenta et après, on va arroser la polenta avec notre nouveau arrosoir. Mais vas-y! Pourquoi tu veux pas me parler? Engrais, ok, d'accord. Graines, choux, céleri, oignons, fraises, tomates, maïs, poivrons, blé, piment, patates, carottes, petits ronds, myrtilles. Acheter de graines de polenta? Ça me semblait bizarre aussi que ça pouvait se planter de la polenta. C'est fait à partir de blé, je crois. Blé, maïs, je dirais. Toi, il t'en faut juste 10. Piment, on va garder 10. 5, 2. Je vais racheter du blé et du maïs. Qui me permettra peut-être de faire de la polenta. Je pense après il n'y a plus rien d'autre pour... On va aller planter ça. Où est-ce que je vais planter? Non, on va les creuser. Ok, on peut labourer que ça, quoi. Non, c'est pas comme ça, mais bon, c'est pas grave. Non, remplir, labourer, retour Y. Ah d'accord. C'est pas encore l'arrosoir ultime, mais c'est déjà mieux. C'est comme le truc pour labourer en fait, c'est pareil. Ah, c'est déjà mieux, hein. Non, pas qu'une fois. Bon, c'est pas grave. Hop. Tiens, il fait nuageux aujourd'hui. Il va peut-être pleuvoir demain. On va essayer de pêcher encore.
Et ce sera la fin de cet épisode. On ira rendre la quête demain, hein, si jamais on a le poisson. Bon, je vais pêcher une seule fois. Si on n'a pas le poisson, ben tant pis. Voilà, tant pis. Du coup, on va s'arrêter là. J'irai dormir. Je ferai pas de l'histoire, mais on va dire que je vais pêcher jusqu'à ce que j'ai encore ma gambusine et laisser un petit peu ma vache grandir pour le prochain épisode. Du coup, je vous dis à jeudi prochain pour un prochain épisode d'Harvest Moon.